blaguer et via la TV. Il n'y a pas de... Un échantillon de Covid organique, un remède de malgache à base d'artémisia destiné au traitement du coronavirus, est arrivé à Brazzaville. Ce don du président Ange Raduel à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso a été remis au ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Florent Thibault, par le président de la commission prise en charge du Covid-19, le professeur Elira de Kekias. La recette qui est utilisée est une recette thérapeutique qui, selon leur rapport, a fait les preuves de son efficacité. Il revient à nous au Congo, sur la base de ce que nous disposons, de permettre à la population congolaise et plus principalement aux personnes qui ont été testées positives de bénéficier de cette recette thérapeutique. Pour l'instant, les guérisons que l'on connaisse sont à Madagascar. Nous attendons qu'à Brazzaville et dans d'autres pays qu'on nous dise, mais voilà, grâce au Covid organique, nous avons pu guérir tant de personnes. Pour l'instant, il n'y en a pas. Au total, près de 1000 doses, version curative et préventive, feront l'objet d'une analyse chimique par les experts congolais avant toute administration chez un patient. On a prélevé quelques échantillons sur place, pas sur les cartons qui ont été donnés, pour que nos chimistes essaient d'analyser la composition réelle des produits, parce que qu'on le veuille ou pas, même si nous devons l'utiliser, il faudra que nous vérifions le contenu chimique, la toxicité éventuellement du produit, et peut-être que nos chimistes seront capables d'identifier la substance X qui a été ajoutée pour booster l'efficacité donc de ce produit. Cette tisane à base d'artémisia a été conçue par l'IMRA, Institut malgache de recherches appliquées. Depuis, le Covid organique est au cœur des polémiques. À ce jour, il n'y a aucune preuve scientifique de son efficacité. Quand on entend le nombre de morts dans les pays occidentaux qui ont tous les moyens nécessaires pour soigner les leurs et que Madagascar se vante, lui, de pouvoir soigner les siens, et ça le repositionne d'une autre manière sur l'échiquier mondial. Après, il faut revenir sur l'échiquier plus ou moins africain, où on comprend très bien que la Grande Île a toujours été aux côtés de ces pays frères, mais sans pour autant avoir un leadership reconnu qui puisse faire en sorte que Madagascar pèse dans les relations africaines. Pour l'instant, les guérisons que l'on connaisse sont à Madagascar. Nous attendons qu'à Brazzaville et dans d'autres pays qu'on nous dise, mais voilà, grâce au Covid organique, nous avons pu guérir tant de personnes. Pour l'instant, il n'y en a pas. Faut pas blaguer et Ziana TV, il n'y a pas de... Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y, on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer et Ziana TV, il n'y a pas de...